Kylie's today at insanebeats.com. Je m'appelle Damien Lapidus, combattant de MMA au MMA Factory. Et j'ai fait de la boxe anglaise avec mon père qui était boxeur dans ma jeunesse. Ensuite, je me suis mis au football. J'ai essayé comme tous les jeunes, je pense à un certain âge, pour voir s'il y avait une opportunité. Et ensuite, j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Donc je me suis remis au grappling, ensuite au jiu-jitsu brésilien. J'ai repris la boxe, boxe thaï, et après, c'était le début du... C'était le début. Mon premier combat professionnel, c'était à 21 ans. C'était contre Nelson Carvalho, Belgian Beatdown. Donc c'était mon premier combat en MMA. J'ai gagné ce soir-là au premier round par soumission. Moi, mon projet futur dans le MMA, ce serait de... Ça fait vraiment beaucoup de bien dans la vie d'un combattant d'avoir eu un titre mondial dans sa vie. Et à la suite de ça, combattre pour l'UFC. Là où mon frère combat et là où je pense actuellement, tout bon combattant rêverait de combattre. Mon frère à l'UFC, c'est comme si j'y étais, donc il n'y a pas de problème sur ce point-là. Je me dis voilà que c'était son tour, il y est entré et mon tour va arriver, je vais y entrer, mais en tout cas c'est tout ce que je me dis. Mais en tout cas je continue à travailler dur pour en tout cas. Non, aujourd'hui j'arrive pas à vivre du sport parce que voilà, c'est. Faut travailler derrière, c'est pas suffisant. Je pense que c'est quand on a l'UFC ou quand on a vraiment des gros contrats derrière nous avec des gros sponsors qui nous suivent. Là, on peut vraiment s'en sortir. Mais là, pour le moment, non, je n'en vis pas du sport. Combattant originaire des Antilles, c'est vraiment une fierté pour nous et mon frère et moi de pouvoir représenter notre île, qui est la Guadeloupe. Donc non, c'est voilà, il n'y avait pas, à ma connaissance, pas de combattant en MMA encore reconnu là-bas. Mais en tout cas, maintenant, c'est le cas. Et ça fait vraiment plaisir et j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres. Kylie's today at insanebeats.com. Lors de mon combat le 14 novembre Obama, donc. J'avais une seule idée en tête, c'était vraiment de gagner ce combat qui allait justement me donner d'autres grosses opportunités derrière dans ma carrière et aussi gagner ce combat pour la France qui avait été blessée la veille par des terribles attentats. Donc j'avais vraiment à cœur de gagner ce combat-là. Content de m'entraîner dans ma factory et d'évoluer dans ce club et j'espère qu'on va arriver à faire de ce club
l'un des plus grands au monde. Ok, je te remercie. T'as rien, moi aussi, je te remercie.